Bonjour mes amis, et aujourd'hui nous allons continuer encore une fois à étudier le chapitre 22. C'était un long chapitre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui on est rendu au verset 54 et on va aller jusqu'au verset 62. Et on va voir le reniement de Pierre. Notre bon Père du ciel, aide-nous à comprendre ce texte. Pourquoi est-ce que Luc croit bon de le dire à Théophile? Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'on le sache? Instruis-nous encore une fois, parce qu'on sait que derrière ce reniement de Pierre, on veut te voir, toi, on veut te connaître, toi. Et si tu nous fais comprendre ces choses, c'est parce que tu veux qu'on comprenne comment tu fonctionnes, comment tu penses, ce que tu veux. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc, on se souvient que Jésus avait dit à Pierre qu'il était pour le renier. Il dit, Pierre, tu vas me renier. Avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié trois fois. Vous vous souvenez de ça? Et Pierre avait dit, non, 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 je ne vais pas te renier. Non, je suis prêt à aller en prison, j'ai jusqu'à la mort avec toi. Et tous les disciples ont dit la même chose. Ils se croient forts, ils se croient capables, ils se croient... Il y a plein d'assurance. Il met en doute la parole de Jésus. Jésus lui dit, tu vas le faire. Il dit, non, non, je ne le ferai pas. Et Jésus leur a invité, priez afin que vous ne tombiez pas. Mais on avait vu aussi Jésus qui avait dit, « Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ta foi en moi. » C'est pas, il ne parle pas de foi de promesse ici, foi dans prière, foi dans vie chrétienne. Ta foi envers moi ne défaille point. Que tu continues à croire que je suis le Messie envoyé de Dieu. C'est ça le point crucial de ce texte. Donc, après le souper, on a vu hier qu'ils sont allés au jardin de Gethsémané. Et au jardin de Gethsémané, Jésus, lui, a prié pour ne pas tomber. Et il s'est levé. Et là, Judas est arrivé. Et avec les prêtres, avec les soldats, ils l'ont saisi. Ils l'ont amené. Pendant le procès de Jésus, il est important ici, là, c'est une autorité romaine qui écoute, qui lit, qui a lu du verset chapitre 1 à verset 20, chapitre 21. S'il croit Luc dans les premiers 21 chapitres, il va trouver bien étrange ce qui va se passer dans ce palais de justice, si je peux employer un terme qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour qu'on comprenne, on va bien lire ensemble, si vous voulez bien, le verset 24 et les suivants. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était assis avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et, étant sorti, il pleura amèrement. Souvent, on prend ce texte-là, certains prennent le texte pour dire
que Pierre est un exemple qu'un chrétien, ça peut renier le maître, ça peut perdre son salut. Mais je ne crois pas que c'est ça que Luc veut faire dire à Théophile. Et rappelons-nous, Pierre n'est pas encore un chrétien de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance n'est pas commencée. Pierre n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas été régénéré comme tout se passe dans la Nouvelle Alliance. Pierre doute encore que Jésus, c'est le Messie qui doit mourir et ressusciter. Il ne comprend pas. On a vu dans Luc à plusieurs reprises, ils ne comprennent pas ce que Jésus voulait leur dire. Ils ne saisissaient pas que Jésus devait mourir. Pierre a dit même, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point. Donc, faut pas prendre Pierre ici comme un exemple de que les croyants vont agir comme Pierre ou peuvent agir comme Pierre. Ce n'est pas le but ici. Pourquoi est-ce que Luc prend le temps de mentionner ça à Théophile? Moi, ce n'est pas Pierre qui m'intéresse. Mon modèle, ce n'est pas Pierre. Mon modèle, c'est Jésus. C'est Jésus que je veux comprendre. Comment il a vécu ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Si je suis Théophile et que je vois ça, Jésus avait prédit cela. Jésus avait prédit, il avait dit à Pierre, « Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié trois fois. » Pierre dit, « Non, ça n'arrivera pas. » Jésus dit, « Oui, ça va arriver, Pierre. Mais j'ai prié pour toi. » Et là, on voit, c'est la parole que Jésus t'avait dite au repas, elle s'accomplit à la lettre. On amène Jésus dans la maison du sacrificateur. Pierre suit de loin, il veut voir qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas se faire voir. Et pendant qu'ils jugent Jésus, ils doivent le juger dans une cour extérieure parce qu'il y a un feu et Jésus voit Pierre. Donc, ça doit être dans la cour extérieure de la maison. On a de la misère à concevoir, nous, peut-être, comment est-ce que les maisons étaient faites dans ce temps-là. Et ils allument un feu. Les serviteurs, les gens allument un feu. C'est frais, c'est la nuit. Donc, il allume un feu, et là, Pierre, tranquillement, sournoisement, hypocritement, si je peux dire de même, il s'approche du feu. Je crois qu'il veut voir Jésus, il veut voir qu'est-ce qui va se passer, et en même temps, il veut se réchauffer probablement. Et là, Pierre s'assit parmi eux. Et une première personne, une servante, dit, « Hey! » Ce gars-là, là, il fait partie. C'est un des disciples de Jésus, ça. Cet homme était avec lui. Probablement qu'elle pointait peut-être du doigt vers Jésus. Cet homme-là était avec lui. Mais Pierre lui dit, « Non, je ne connais pas, je ne suis pas son disciple, je ne suis pas ce gars-là, non. Je ne le connais pas. » Premier reniement. Au verset 58, c'est marqué ensuite, puis peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Ces gens-là parlent des disciples de Jésus, de Jésus. Et Pierre dit, « Non, je ne suis pas. » Donc, ça dure depuis une secousse. Un heure plus tard, au verset 59, il dit, « Un autre arriva et dit, « C'est certainement que tu es de là, tu es un Galiléen. » Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Il semblerait qu'il y avait des façons de s'habiller, des façons de voir. Est-ce que Pierre avait un vêtement un peu de pêcheur, qui est des gens qui l'identifiaient à la pêche, parce qu'il y avait de la pêche en Galilée, il n'avait pas, au roi Jérusalem. C'est sa façon, c'est son accent. Mais il voit qu'il est un Galiléen. Et ils savent que Jésus vient de la Galilée. On a vu ensemble dans les premiers 10 chapitres que tout s'était passé en Galilée.
Et ils identifient Pierre à Jésus par le fait qu'il est un Galiléen. Verset 60, Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Donc, trois reprises, Pierre ouvertement déclare qu'il ne connaît pas Jésus, qu'il n'est pas son disciple, qu'il nie le connaître. Comme il parle encore, si je peux dire ça ainsi, le coq chante. À ce moment-là, le Seigneur Jésus, verset 61, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. C'est qu'ils ne sont pas tellement loin. Je ne sais pas si le texte ne nous le dit pas. Est-ce que Pierre a levé les yeux aussi vers le Seigneur Jésus? Probablement. Et Pierre se souvint à ce moment-là ce que Jésus avait dit il y a quelques heures avant, qui était pour le renier. Il sortit en pleurant d'une façon amère, d'une façon vraiment grande, je pourrais dire. Pleurer amèrement, ce n'est pas un terme qu'on connaît beaucoup, hein, au Québec en tout cas. Moi, je le vois comme étant en abondance. Il est amer envers lui-même. Il est amer envers la situation, je ne sais pas comment le dire, bien juste. Mais Théophile, lui, qu'est-ce qu'il doit retenir là-dedans? Jésus savait cela. Jésus savait ce qui arriverait. Jésus avait vu venir cela. Et si c'est accompli comme il l'avait dit, qu'est-ce que ça nous dit de Jésus? Il savait. Il savait pour lui, il savait pour Pierre, mais il savait aussi pour lui, parce qu'il dit, tu vas me renier cette nuit. Quand les hommes vont venir me chercher et qu'ils vont m'emmener pour être jugés et condamnés et faire mourir, tu vas me renier. Dans cet espace de quelques heures-là, les paroles de Jésus qui étaient prophétiques s'accomplissaient. Qu'est-ce que ça a tendance à nous amener à croire? Les autres choses que Jésus a dit ce soir-là, en ce qui concerne son corps, son sang, le royaume de Dieu, la nouvelle alliance, et tout ça, hein, on a tendance à croire que ça va arriver aussi. Si ces paroles-là qui étaient dites en ce qui concerne Pierre et Jésus s'accomplissent, le restant va s'accomplir aussi. Les paroles que Jésus a prononcées ce soir-là en ce qui le concernait lui aussi vont aussi s'arriver. Cet homme-là n'était pas une victime, c'était pas quelqu'un qui était qui a subi sans vraiment le vouloir toute cette nuit-là dans sa vie. Depuis des mois qu'il disait qu'il savait qu'il était pour mourir, il savait qu'il était pour monter à Jérusalem, il savait qu'il était pour être exécuté par les chefs religieux, par les autorités romaines, il savait ça. Il savait que qu'est-ce qui se passerait avec ses disciples. Il savait que lui, son corps sera livré à la mort. Il savait que son sang sera versé. Donc, on voit un homme qui connaît ce que Dieu avait dit, ce que son Père avait annoncé, ce qui avait été déterminé, ce qui avait été écrit. Il le sait. Et il l'accepte. Et il s'y soumet. Il embrasse, si je pourrais dire, la volonté du Père. Donc, c'est important que Théophile, pour Luc, c'est important pour Théophile qu'il voit bien ce qui s'est passé ce soir. Quand je regarde l'ensemble de la nuit, je ne vois pas un homme victime des hommes seulement. Je vois un homme qui comprend ce qui arrive, qui comprend ce qui s'en vient, qui comprend ce que Dieu est en train de faire, qui comprend pourquoi il est venu dans ce monde,
qui comprend les souffrances qui arrivent, qui comprend ce que les hommes vont lui faire, il sait cela. Comme ce qu'il a dit par rapport à lui, qui arriverait, ce n'est pas un coup de luck, ce n'est pas un coup de chance quand il parlait de lui-même, pas plus que c'est un coup de chance qui a déclaré que Pierre était pour le renier trois fois avec le coq chance, c'est arrivé mot pour mot. Donc tout le restant est aussi vrai. Jésus savait ce qui devait arriver. Comme il savait pour Pierre, il savait pour le restant. Il n'a pas fui, il n'a pas rejeté, il l'a accepté. Pour la gloire de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour l'adoration de Dieu. Oh, mes chers amis, les hommes vont payer, vont subir, comme Jésus a dit, malheur à vous. Mais il ne faut jamais oublier, c'était le plan de Dieu pour sauver un peuple qui était pour devenir ses serviteurs et ses servantes. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu pour tes bienfaits. Béni sois-tu que nous voyons ici que tu n'as pas utilisé ce que les hommes ont fait. Mais tu savais, tu voulais, tu avais prédéterminé ce que les hommes feraient. C'est important, on comprend ça. C'est un acte de ta volonté que cela arrive. Si Jésus était mort seulement par la main des hommes et que ça n'aurait pas été ton plan, tu n'aurais pas pu utiliser ça pour sauver les hommes. Mais Jésus sauve les hommes seulement parce que c'était ton plan à toi. Sans ça, ça n'aurait pas pu être le salut de l'humanité. Amen.